Bon, c'est parti pour Life is Storm Before the Storm. Before the Storm. Before the Storm. Miranda est une idiote, c'est l'amour le vrai. Mais j'en sais rien, moi, putain. C'est vos problèmes, ça. Allez, Miranda est une idiote. Miranda is an idiot because falling in love is stupid. What is she? 12? Actually, she's about 15. So your point, whoever you are, about being an idiot or being naive is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. S'en bat les couilles. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah, sure. Okay, get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? J'ai arrêté parce que, en fait, il se passait un truc assez chiant dans le jeu. Et ça m'a tellement gavé que j'ai décidé d'arrêter. En fait, ils étaient en train de jouer à un jeu. C'était super casse-couille, en fait. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it Drama Lab for nothing. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it Drama Lab for nothing. Slut, ça veut pas dire pute. Ah non, pute, ça veut dire war, war. Commenter. What to say, what to say. Je n'en sais rien, putain. Playing the part of the bitter, passed over, talentless hack, VC. Suck a D, VC. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Pourquoi elle dit de... That's the nicest backpack I've seen in my life. Ah bon? Si tu le dis. Bon, je préfère jouer avec une meuf que jouer avec un... Chloe! My pants get lonely without my belt. Mais ta gueule! Putain, j'aime pas qu'on fait ça, là. Bon, allez. Ah non! Oh putain, fais chier, merde. C'est sa ceinture. Ah non. Rachel looks so happy here. Bah, elle a pas l'air heureuse là maintenant. C'est bon, c'est qu'une photo, on s'en bat les couilles. There's Rachel's belt. En fait, je voulais pas. Voilà. Rachel, go give this to Rachel now. Mais non, on s'en bat les couilles, je voulais pas faire ça en fait. Je voulais voler un truc. Sharing is caring. Oh putain! Devrais enculer. To internet or not to internet? Bah to internet. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Firewalk. Trop jaloux, trop belle, c'est qui ta copine? Des bras, quelque chose de croix, ça a l'air un glam, tu casses tout, c'est des bras,
sur la photo avec un tellement belle, je te hais. Qui c'est? Mec, c'est Chloé Price. Dès lors, je croyais que tu étais. Elle s'appelle Chloé Price. Juste Price. Que tu avais invité Rachel à ta soirée pyjama hier. Je me demandais où elle était. Cassée. Oh non, je n'ai pas dit ça comme ça. C'était trop fun. Quelle conversation pleine d'intérêt. Je comprends rien ce qui a marqué. Why do theater kids take themselves so seriously? Why so serious? Rachel Amand et Prospera. Récemment arrivée à l'académie Blackwell, Rachel Amber. Pourquoi j'ai dit Ambrand? Elle s'appelle Amber, bordel. A ému son public aux larmes lors de son audition grâce à son interprétation de Blanche tirée de l'œuvre de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Rachel s'intéresse aussi à l'athlétisme, au débat sexuel, aux ébats sexuels, aux collectes de fonds, à l'histoire locale et à la nature. Elle espère un jour monter sur les planches de Broadway ou finir actrice porno. C'est très bien aussi être actrice porno. Enfin, être performeuse pornographie. Être performante dans la pornographie. Être une performeuse. Je préfère que actrice, je sais pas, c'est naze. Être une performeuse, ça c'est mieux. Et jouer pour les caméras d'Olé. Mais on s'en fout, c'est surfait tout ça. Nathan Prescott et Caliban, rejeton de la famille, le plus ancienne et la plus influente d'Arcadia Bay. D'Arcadia Bay. Nathan espère que cette production de La Tempête permettra de continuer la tradition Prescott à l'Académie Blackwell. Incarner Caliban a été un véritable défi pour cet élève de première qui aime également le sport, la photographie et passer du temps avec ses nombreux amis. Dana Ward et Miranda, élèves de seconde. Dana a joué dans deux autres productions depuis sa première année à l'Académie Blackwell. Dana aime le football américain, aller les Bigfoot, les réseaux sociaux et le bal de l'école. Elle espère devenir membre du Vortex Club une fois en terminale. Eden Jones et Ferdinand. Ce spectacle marque le premier pas de Eden Jones au sein de du club de théâtre de l'Académie Blackwell. Il a auditionné suite à un pari perdu, mais il s'est découvert une passion pour le théâtre. Élève de seconde, il aime également le sport, la botanique et les longues promenades en forêt. Julia Watson et Ariel. Juliette s'intéresse... Putain, elle s'appelle Juliette et moi je dis Julia, bordel. S'intéresse principalement au journalisme et à l'activisme social, mais elle est très impatiente de faire ses débuts théâtraux. Dans la peau d'Ariel, l'esprit puissant mais capricieux, enchanté par Prospera, Prospera est forcé à lui obéir. Mise en scène de Travis Keaton. Vétéran de Broadway, Travis Wilbury Keaton est entré au service de la... Ah, ça s'est installé. Au service de la prestigieuse Arcadia Blackwell, en tant que professeur d'art dramatique, mentor et ami, il espère que son humble réinterprétation de ce chef-d'œuvre shakespearien poussera les leaders de demain à chercher la grandeur et à ne jamais oublier sa devise Ars Gratia Artis. Je sais pas ce que ça veut dire. J'irai voir sur internet ou je m'en bats les couilles en fait. Voilà, je m'en bats les couilles. J'irai pas voir, je m'en bats les couilles. Voilà. Régisseuse Steph équipe technique Adam je sais pas quoi, Gina O, Stella Weed, Jason Redford, bruitage Brooke Scott, couverture de programme poster Evans Harris. Nous tenons à remercier Monsieur Wells, Rose Ambers, Caroline Prescott, Hélène Christensen, Bernadette Moncul, Bernadette Chirac, Samuel Taylor et tout spécialement la fondation Prescott. Voilà. C'était pas intéressant pour un sou. Hey now. Ah oui, c'est vrai. Sharing is caring. Bah oui. C'est bien de partager ses copines aussi. Faut tout partager. Ses copines. Faut partager ses copines. Ah, tu penses que t'as des difficultés avec les gondesses, c'est pas vrai?
Bah, je veux bien te laisser ma copine. C'est vrai? Ouais, tu peux la baiser pendant, allez, 2-3 jours. Et elle est d'accord? Si elle est d'accord? Bah, on s'en fout qu'elle soit d'accord ou pas. Je te dis que tu peux la baiser, ma copine. Tu peux baiser ma femme aussi. Oui, j'ai une femme et une copine, j'ai les deux. Et alors, ça te pose un problème? Si tu veux, tu peux baiser ma copine. Tu peux baiser ma femme aussi. Less talk, more belt. Oh, tu me parles autrement, s'il te plaît. Enfin, tu lui parles autrement, s'il te plaît, d'accord? Parce que sinon, c'est... Je vais prendre la ceinture et je vais te foutre des coups sur ton petit cul de salope. Hein. C'est quoi cette écriture? C'est du japonais, c'est ça? That's the nicest backpack I've seen. Ah, elle dit ça parce que c'est le sac à dos de sa copine, c'est pour ça. Pff, qu'est-ce qu'elle est con. C'est un sac à dos de merde, ouais. Enfin, c'est un sac à dos de tout ce qu'il y a de plus classique, on s'en fout. C'est pas très intéressant. Oh, la caméra, la caméra, la caméra. Ah. I guess the Prescott donation doesn't cover this. J'ai rien compris à ce que je viens de dire. I guess the Prescott donation doesn't cover this. J'ai rien compris. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. J'ai rien compris, qu'est-ce qu'elle a dit? If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. Moi, j'ai toujours rien compris ce qu'elle vient de dire. Rien à faire, je comprends rien à ce qu'elle raconte. C'est quoi cette tête? Sweet collar, Pepe. Quoi? PD? Sweet collar, Pepe. Should be life is drama. Drama is life. Quoi? Should be life is drama. Ah, life is drama. Quoi? Should be life is drama. La vie est un drame. Drama. Mais ils inversent pas les trucs, les Américains? Drama is life. Le drame est la vie. La vie est un drame. Come on, Chloe, I need my belt. It literally keeps my pants on. Mais ça, c'est parce que tu maigris. Mais prends un peu de poids, bordel. Sérieux, quoi. Ils sont trop mecs, ces meufs-là. Je sais pas, faites de la chirurgie esthétique. Faites-vous un gros boule, je sais pas, moi. Ils sont trop minces. Sérieux, c'est pas bien d'être trop maigre comme ça. C'est chiant. Elles ont même pas de cul, putain. Sérieux, quoi. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? J'ai rien compris quoi? Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Quoi? Je comprends rien à ce que je lis quoi. Rachel Amber, drama star and guardian angel. I still can't believe that was her last night. Putain, c'est Alias. Qu'est-ce qu'elle a dit? Definitely an improvement. Bah oui, avec son afro sur la tête, c'est plutôt cool. Des cornes qui sortent de son afro. Sometimes you just gotta turn up the heat. Où sont passés les crayons, Eden? Je sais que c'est toi. N'importe quoi. I'm gonna guess it's from Logan. Dana, tu es si belle, tu veux qu'on sorte un jour, ça me ferait plaisir. De la part de... De la part de Logan. Logan. Guess who?
Il est con, le mec, on voit son nom. Il est débile. C'est tout, c'est fini? Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. Bah avance, connasse, c'est bon, vous êtes entre filles. Pas casser les couilles. Hein. Really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? Ah, par contre, faut toujours parler aux gonzesses parce que si tu leur parles pas, sauf si t'es un mec super beau, si tu leur parles pas, c'est bon quoi. C'est ça sert à rien. Sauf si t'es encore une fois un beau gosse de la mort qui tue. Bon là, t'as pas besoin de leur parler, mais sinon faut leur parler quoi. Je te suis redevable. Que ta ceinture. On va essayer de la draguer. Hein. On est là pour ça, après tout. I guess I owe you. I'll hold you to that. I'll let you finish changing now. J'ai peut-être dit une connerie, non? Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Quoi? J'ai pas compris, c'est pas obligé? Qu'est-ce qui est pas obligé? On va dire c'est pas obligé, mais je sais pas ce qui est pas obligé en fait. C'est pas obligé que ça se termine, c'est ça? Je comprends pas en fait, je comprends pas ce qu'elle raconte en fait. Maybe it doesn't have to end. Ah d'accord, ok. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Mais trop! Ah, c'est ça qui est chiant quand tu veux essayer de te choper une gonzesse. Tu faut faire attention à ce que tu dis, c'est chiant, oh là là. Tu peux pas dire toutes les conneries que t'as envie. Enfin, si t'as envie de la baiser, je parle de ça évidemment. Tu veux dire, putain, qu'est-ce que je dois dire à cette salope pour que je puisse la baiser? Oh là là. C'est casse-couille. Tu peux pas être toi-même. Si t'es toi-même, tu dis, bon, allez, on va baiser là. J'ai autre chose à foutre, moi. Raconter des conneries pendant des plombes. Métro. Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Ouais, pourquoi pas. Yes, please. People won't shut up about it. Non, en fait, je voudrais juste que tu la maquilles, histoire qu'elle fasse un peu plus féminine, en fait. Et surtout ça, en vérité. Hold still. J'ai la trique. Léger, léger. This is a lot of makeup. That's the price of valor. Close your eyes. Much better. Non, c'est naze. Holy shit. Let's get the hell out of here. Allez, allez, on se casse là et puis on faut niquer là. Là, on serait dans une série, ça fait longtemps qu'ils auraient baisé, putain. Mais c'est pas des conneries. Hein. Les séries, c'est vraiment des trucs tordus. Ça baise non-stop, ça n'arrête pas. J'ai regardé une série il y a pas longtemps. C'est scène de cul sur scène de cul, quoi. Bon, c'est pas pornographique, attention, mais il y a beaucoup de scènes de cul. You sure you don't want to just grab the bus or... Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well, what the hell am I getting into here?
does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Putain, c'est aliasé de ouf, quoi. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Est-ce qu'on aura des scènes comme ça dans The Last of Us? Rachel wants me to pull up a chair. Maybe one of these crates. Merde, j'ai pas le temps là, putain. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le journal? Qu'il y a quoi là? Confie-moi tes pensées. Quoi? Et ferme ta gueule, toi. Quoi? Je sais où j'en suis, moi. La loseuse. J'ai ramené un beau coquard. Je sais plus, c'est quoi, c'est ça? Je sais plus. C'était ouf, je savais pas qu'il faisait des teufs comme ça, blabla, mon cul sur la commode. Et j'ai ramené un beau coquard en souvenir. C'était le gars louche dont j'ai détruit les chances de procréer. Rien de bien méchant, donc. Ouais, évidemment, c'est pas méchant. Ah oui, et la meuf la plus populaire du bahut a volé à mon secours, et toi, ta soirée, Max, la loseuse. Attends, sérieux, ta meuf, elle parle encore à Max, mais on s'en bat les couilles d'elle. Tu te souviens, je t'avais dit qu'avec ma mère, j'avais touché le fond. En fait, je me retrouve à devoir choisir entre être gentil ou être honnête avec elle, parce que je... Mais comment je fais pour être honnête et lui dire « Il y a un moustache dans lequel elle m'engueule ?» Et comment ça se fait que je sois la seule à m'inquiéter, blablabla. Je sais bien que maman stresse sur l'argent, mais blablabla. Moustache m'a conduit au bahut ce matin. Quelle vie de merde. Le pire, c'est qu'il a cru que c'était l'occasion de m'expliquer comment les choses allaient se passer à partir de maintenant. J'ai essayé de lui faire fermer sa grande gueule de merde, mais il a quand même continué sa leçon de vie et la guerre et la soupe. Enfin, je crois. Je faisais pas vraiment attention. J'ai encore rêvé de papa. C'était un rêve sexuel. Ah, oh, c'est dégueulasse, mais elle est dégueulasse, cette fille. C'était le rêve où j'étais là pendant l'accident. Après chaque nouveau rêve, j'ai de plus en plus de mal à souvenir de ce qui est vrai, ce qui est... pas. Tout ce dont je me souviens, c'est mon cul sur la commode, blablabla. Ah, une tête de doigt d'honneur. J'adore les têtes de doigt d'honneur. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de Nathan Prescott, alias le Connor Punisher. Bref, tu sais, cette vieille question de savoir ce qui se passerait si on remontait le temps et qu'on assassinait Hitler. Mais pourquoi vous voulez assassiner cet homme très sympathique? Mais laissez ce mec tranquille! Pourquoi tout le monde veut assassiner Hitler? Mais sérieux! Qu'est-ce qu'il a fait pour vouloir que tout le monde l'assassine comme ça? Arrêtez d'emmerder ce jeune homme gentil qui ne voulait que le bien de son peuple! Sérieux, quoi! Toujours à vouloir assassiner Hitler! Ils veulent tellement assassiner Hitler qu'ils savent même pas pourquoi ils veulent assassiner Hitler! Foutez la paix à cet homme! J'ai comme qui dirait... empêcher l'assassinat ce matin, mais je me suis interposé entre Nathan et Drew, star de l'équipe du lycée de mon cul adolescent à Cran. Je crois que je deviens gâteuse. J'ai vu Elliot aussi, il était très sympa comme d'hab et il voulait qu'on fasse un truc ensemble comme d'hab. Je suis resté vague, blablabla. Pauvre gars, il est vraiment tenace. Ça doit être dur de s'intéresser à moi, puisqu'on parle de s'intéresser. J'ai fini par... En fait, à chaque fois qu'elle marque quelque chose sur son cahier, c'est tout le temps lié à Max. Ça s'adresse tout le temps à Max. À Maxine, cette espèce de petite pute qui sert à rien. Ah, c'était en 2010, ok. C'était pas trop mal, mais je ne crois pas avoir l'énergie pour investir autant dans quoi que ce soit, en fait. C'est vrai, sûrement, ça devrait sûrement m'inquiéter, ce désintérêt, mais ça voudrait dire que je m'intéresse, non ? Chloé, le serpent qui se mord les couilles. Je sais à quoi tu penses. Tu demandes quand est-ce qu'elle va se décider à me parler de Rachel Amber. Voilà, sale fouineuse, ça vient. Mais c'est une malade, cette meuf. Elle arrête pas de parler à une meuf qui en a plus rien à foutre de sa gueule, quoi. C'est assez spécial. Rachel est la fille la plus populaire du lycée. Il vient de lui prendre une envie soudaine de traîner avec moi. Genre comme ce matin, elle m'a emmené à l'atelier de théâtre, elle m'a demandé mon avis d'expert sur l'amour, la vraie, devant toute sa classe. Il y avait que deux personnes en fait. Enfin,
Bon bref, évidemment, je lui ai répondu que l'amour, le vrai, c'est des conneries. Le prof de théâtre, Monsieur Keaton, avait l'air d'être d'accord avec moi. Ah bon? Ah, je sais pas. Et puis Rachel m'a fait aller dans sa loge, j'avoue. C'est la première fois que je passe de rencontrer quelqu'un à aider à s'habiller en aussi peu de temps. Mais ça, c'est tout Rachel. Elle s'en tape, elle ne cache rien. Ensuite, Rachel a eu l'idée bien barrée de nous faire... À quel moment elle a écrit ça? De nous faire sécher les cours ensemble. En plus, ça n'a pas l'air d'être une meuf qui écrit beaucoup. Hein. Pour aller sauter dans un train. Comme dans les années... on s'en fout. Reste à l'écoute, Max. Je sens que j'aurai vite plus à te raconter. Amour log. Alors, elle a vraiment des sacrés problèmes, cette meuf. Arrête pas de parler à une gonzesse qu'on a rien à branler de sa gueule, quoi. Ah bah voilà. Mais elle est ouverte, son cœur, blablabla. J'ai essayé de faire part de mes craintes à ma mère. Mais pourtant, le virus gagnait le terrain chaque jour, blablabla. Ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé avec Drew? Pareil que t'étais au top. Yo, on parle plus tard. Ok. Yo, on parle plus tard, t'as vu? Vas-y, yo, j'ai pas que ça à foutre. Là, je suis avec moi. Je suis avec ma... Ma meuf, hein. Bon, alors, voyons un peu ça. C'est quoi ça, la caisse? Regardez. There's my chair. Attends, quoi? Déplacer. Regardez. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Rien à foutre. Whoa, Nathan's dad is a Terminator? That totally checks out. Avis de cessation d'activité fondateur Prescott, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. I feel pretty confident there's going to be a dead body in here. Si tu le dis. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Just another typical day, skipping school, with Rachel Amber. Bon, moi je peux pas m'asseoir à côté d'elle. On va déplacer ce truc. Things heavier than it looks. Guess I should sit down. Bah, mais tu assieds-toi à côté d'elle, bordel de merde. There's my chair. I see humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué quoi? I see humans, but no humanity. Everybody somebody, but nobody wants. It's great to take a stand, but right now I should sit down next to Rachel. Ah, ta gueule. En fait, je pensais que c'était un tag contre les homosexuels. Mais en fait, non, pas du tout. Je sais pas ce que c'est en fait. Attends, je vois les hommes, mais pas de métier. Tout le monde est somebody, but no one wants to be quelqu'un, mais personne ne veut être lui-même. Ils sont bien. Some preachy graffiti up in this train. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais que c'était contre les gays, je sais pas. Contre les homosexuels, je sais pas. Nous sommes des monstres. Tout le monde ment. Alors, à quelle chance? J'en sais rien, moi. Oulala. Allez, nous sommes des monstres. Hein. J'en sais rien, putain. Si tu veux, on est des Human monstres. Is another word for monster. Ah bon?
Je savais pas. Bon bah c'est bon à savoir. We are monster. Journal, qu'est-ce que j'ai encore fait? We are monster. Ok, super. Allez, salut, au revoir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price 1. Twain 0. Si tu le dis, c'est tollé. Tu veux pas t'asseoir à côté là? C'est toi. Ah ben vas-y, jette-toi, jette-toi du train là, casse pas les couilles. Allez, s'asseoir. On a pas le choix. Alright, Chloe, you're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Ne sois surtout pas toi-même, attention. This nervousness. Is that what this feeling is? Wish Max were here so I could ask. On l'emmerde cette salope. Allez, je suis bien content qu'elle Should soit pas I là. Make small talk? Is that what people do? Ouais, mais c'est chiant. Belle journée, ne rien dire. Ah si, il faut dire des choses, hein. Franchement, faut... sinon elle va se barrer. Hein. Elle va jeter du train, elle va dire c'est bon, tu me casses les couilles. Hein. Faut dire quelque chose. Non, faut surtout pas dire « ». Faut surtout pas dire « ». Allez, belle journée. It's nice Rachel we're having. C'est naze. What? I mean weather. It's nice weather. It sure is. Bon, ça va, so, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Oh, on s'en fout, putain. Her name is Max, but she left for greener, more northern pastures. Dans le nord. That sucks. Non, on s'en fout. Monsieur Keaton, remercier. Ne rien dire. C'est qui, Monsieur Keaton? Je m'en fous de Monsieur Keaton. Bon, allez. Hey, so... I want to say thanks. For pulling you out of school? No, dummy. Thanks for last night. Ah. If you hadn't shown up... Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well... I wanted some company. That's it? That's it. J'aime être entouré. Non, j'aime pas spécialement être entouré. Enfin, peut-être que elle aime être entourée, mais moi, non. Bien au contraire. Mais en fait, là, je sais pas quoi répondre, parce que... En fait, j'aimerais bien qu'il baise, en fait. Donc, qu'est-ce que je réponds si je veux qu'elle baise avec cette fille? Ça ne me concerne pas. Ça concerne cette fille, je veux son bien. Et son bien, c'est de baiser avec sa copine. Je ne veux que son bien, hein. Attention. Rien de méchant là-dedans, rien de déplacé, évidemment, ça va de soi. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Dire oui, flirter, bah, évidemment. V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is... a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Ouais, pourquoi pas, ça t'amuse. De jouer à des jeux de gamines comme ça, c'est de leur âge, hein, si elles veulent. Hein. Vas-y. Sounds fun. You're on.
Quelle gaminerie, putain. J'espère que ça va finir avec du sexe, hein, tout ça. Parce que c'est bien gentil de faire de la gamine, mais bon... I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? En France. Kathmandu. One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Ambidextre. You seem more like a Cali girl to me. Damn, Price, not bad. Long Beach, in fact. West Coast is the best coast. I've only ever lived in Oregon, so... nothing to compare it to, I guess. Then we'll have to change that one day, won't we? Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. I used to want to be a pirate when I grow up. I kind of still do. Arr. I used to love country music when I was a kid. Now it makes me want to throw up. Literally. That's... weird. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. I'm not sure why country music makes you throw up. I'm a complex girl, Rachel. I think it's probably true. Also, I kinda like the Dixie Chicks. You and David both. No accounting for taste. Who's David? He's just... some asshole. Who likes the Dixie Chicks? He's an asshole my mom's dating, I guess. And you don't like him. It's still so weird that she's dating someone. My dad and my mom, they were totally in love,